temps que toi et moi allions faire notre cueillette de mûres. Allons-y, Tibet. Ces buissons sont remplis de mûres. Alors, Joe, oui? Tu vas cueillir celles qui sont bien mûres, comme celle qui est rouge foncé, juste là. Ou encore celles qui sont violet foncé, juste là. D'accord, les violets foncés, j'ai compris. Mais, oh, celles qui sont vertes comme celles qui sont là. Oui. Il ne faut surtout pas les cueillir parce qu'elles ne sont pas mûres. Ah, oh, celles qui sont vertes ne sont pas mûres. C'est ça. Compris. Oh, ça veut dire qu'on ne peut pas les manger. Encore une chose, il faut toujours laisser une grande personne te dire quel fruit tu dois cueillir avant de le faire. Parce qu'il y a des fruits rouges qu'il ne faut surtout pas manger. D'accord. Oh, Tibet. Est-ce que celle-ci est une bonne mûre? Oui, c'est une très bonne mûre. Maintenant, tu vas me regarder la cueillir. Je la mets dans le panier. Très bien. Oh, j'ai compris. Oh, la mûre qui est là est très bonne, n'est-ce pas, Tibet? Oui, c'est une très bonne mûre. Oui. Maintenant, tu... Oh, je sais, je sais. Je la cueille et je la mets dans mon panier. Je la cueille, je la mets dans le panier. Je la cueille, je la mets dans le panier. Voilà comment on cueille les mûres. Oui, je sais cueillir les mûres, je sais le faire, Tibet. En fait, tu te débrouilles tellement bien que je vais retourner à la maison, dans la cuisine, et préparer tout ce qu'il nous faut pour faire notre tarte. Pendant ce temps, tu vas rester là à cueillir des mûres, et quand ton panier sera plein, tu pourras rentrer. Tu veux dire que je peux rester ici et cueillir des mûres toute seule comme tu me l'as appris, c'est ça? Toute seule, comme une grande? Oui. D'accord, d'accord. À plus tard, Tibet. À plus tard. Alors, une mûre, je la cueille, je la mets dans le panier. Oh, celle-là est très bien.